Ami mien d'ici et d'ailleurs, bonsoir. Je suis Manou de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Le direct que vous écoutez est un direct dont le but est de déchirer le voile de l'ignorance. Je suis en train de partager. Aujourd'hui, je serai vraiment exigeant. Aujourd'hui et demain, je serai exigeant. S'il n'y a pas 500 partages, je ne parle pas. Parce qu'aujourd'hui et demain, on va faire des merveilles. Voilà, je suis prêt. Moi, je suis en train de préparer. Est-ce qu'on se verra au paradis? Une très belle chanson de Excel. Je partage le direct. Voilà. Partagez dans les différents groupes, je vous en prie. Vanessa Sangra. Vanessa Tchatoua. Kouya Kouyate. Bonsoir. J'ai vu Myriam. Myriam Makeba. Bonsoir. L'Éternel vient de lui faire, de lui accorder la grâce. Elles ne vont jamais se marier. Et c'est un blanc qui est venu l'épouser. Ah! Oh, vraiment. On dit tout pouvoir nous a été donné. Aujourd'hui, amis miens d'ici d'ailleurs, nous allons parler des mystères. Les mystères. Le haricot blanc. On va parler de ça un peu. Voilà. On va parler de ça un peu. Également, je vais vous donner un très grand mystère. En tout cas, on a tout le temps. Hein? On a tout le temps pour tout ça. Donc, aujourd'hui et demain. Ça, c'est un direct de racapage. Michel Mangua. Le confinement. Yeah! Oh, oh, le jour où cette histoire-là va finir. Yeah! Ça sera grave. Ça sera grave. Voilà, partagez le direct, je vous en prie. Partagez. Je suis en train de partager. Ah. Je partage dans les différents groupes. On partage. Voilà. Voilà. Partageons le direct. Amis bien d'ici d'ailleurs, bonsoir. Une fois de plus, veuillez m'excuser pour le retard. Voilà, c'est pour des raisons indépendantes de ma volonté. Voilà, partageons le direct, je vous en prie. Pour le grand nombre. Parce que en le faisant, nous pourrons toucher nos frères et sœurs qui sont dans les extrémités du monde. Voilà. Aujourd'hui, on va vraiment parler de beaucoup de choses. Demain également, vous savez, demain, c'est le 5 juin. Et pour ceux qui ont fait le processus de magnétisation de l'eau, demain, c'est notre jour, le jour de notre jour, où nous aurons pratiquement 14 jours pour expérimenter la puissance, n'est-ce pas, de la lune. Donc, demain, nous ferons le rituel et dès le 6, on pourra déjà utiliser notre eau. Voilà. Demain, c'est la pleine lune, vous le savez tous, que demain, c'est la pleine lune. Pour ceux qui ont des maladies compliquées, hein, ou que vous, quelle que soit votre situation, votre position, vous soyez, que vous êtes en France, aux États-Unis, Canada, demain c'est la pleine lune. Voilà, profitez à partir de 10h du soir, c'est-à-dire 22h. Parlez à la lune de votre condition. Dites à la lune que vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. Fatigué de souffrir. Fatigué d'être dans le célibat. Le mal qui vous fatigue depuis, les liens mystiques, demain, pleine lune là. Voilà, vous vous placez, vous tendez la main. C'est-à-dire, tendre la main, c'est un signe de désaveu
d'impuissance pour dire, Père, Seigneur, lune, me voici, je tends mes mains. C'est-à-dire que je fais recours à toi par rapport au mal qui me fatigue, par rapport à cette situation qui me fatigue. Je veux, vous allez voir, c'est pas une histoire d'aller demain ou compliqué, c'est pas compliqué, afin de dire là, c'est pas compliqué. Faites vous-même les expériences. Manou de la vie, c'est pas mon rôle de le faire à votre place. Demain, il y a pleine lune. Allez-y, faites votre rituel, vous-même, vous aurez le résultat. C'est tout. Vous aurez votre résultat. Je suis très content parce que Dieu nous a fait grâce. C'est une soeur qui nous suit depuis pratiquement 5 ans. 5 ans de célibat. Dans sa famille, on a décidé que les filles d'une même mère, elles ne vont jamais se marier. Elle ne m'a pas connu par le direct, par le direct que je fais depuis un certain temps. Elle m'a connu par le journal Confidence. Donc, je suis le directeur général et de publication. Donc, on échangeait, on causait. Ouf! Elle était prête à acheter l'homme. Parce que tellement elle voulait, elle veut le mariage. Elle aimait le mariage. Mais elle va faire comment? Rencontre avec un homme, quand ça commence, bam, dans l'eau. Quand ça commence, dans l'eau. Hi! Tu appelles même l'homme, il ne te répond plus. Alors que tu viens de passer le week-end chez lui. Il vient te déposer. Ou alors, tu te sépares. Hein? Tu as aimé. Lui te répond que je ne veux plus que tu me parles un jour. Il te bloque. Elle a connu tout cela. Parce que dans sa famille, on a décidé qu'elle ne va jamais se marier. Donc, je ne suis pas Dieu. Je lui ai dit, tout ce que je te demande, c'est de prier. De faire tes rituels. Le premier rituel, le haricot. Le haricot vous donne le mariage. Pas n'importe quel homme. Grain d'haricot que vous voyez dans ma main là. J'ai fait son scanner. J'ai dit, fais tes rituels. Chaque jour, prier. Maintenant, des bains de purification et d'attirance, elle a fait. Non, maintenant, pour sentir que vraiment tout ça marche, c'est quand ses ex ont commencé à l'appeler. Les mêmes qu'il avait bloqué, on commençait à dire, « Ah, depuis je te cherche, comment j'ai pensé à toi ?» J'ai dit, « Tu as vu ?» Mais parmi ceux-là, anciens, tu ne toucheras plus ce qui est ancien. Ça ne t'appartient plus. Dieu va te fabriquer ton homme. Je ne sais pas d'où il viendra. Où il sera Tchadien, où il sera Camerounais, où il sera Burkinabé. Je ne sais pas. Dieu va envoyer ta part. Ah ! Elle reste comme ça un beau matin, sur Facebook, ouais. Je veux faire amitié avec toi. Elle dit, ok. Elle croit que c'est les histoires à blaguer debout, les présentateurs qui sont souvent sur les Facebook, qui créent des faux profils. Hein. Gars, le contact est réel. Le monsieur est venu avec peine, difficulté, avec les obstacles, les blocages. Il a même fait accident le jour qui était avant le confinement. Elle m'a fait cet honneur aujourd'hui. J'ai bu un très bon vin rouge. Donc, je suis très content. C'est même ça qui a fait. Elle dit, papa, je vais te voir. J'ai dit, oui, ma fille, je suis là. Elle dit, papa, prends un taxi, tu te retrouves ici, je vais te voir. Quand je viens, elle dit, tu as vu papa. J'ai dit, quoi? Mais et tu ne m'as pas dit, papa, je ne pouvais pas te parler. Mais je sais que tu me portes dans ton cœur. Elle est venue, on s'est marié. Voilà ça, papa. J'attends. J'ai bu vin. Bon vin rouge. Oh non. Il y a quoi? Il y a quoi dans ces histoires-là? Un jour, ils vont se fatiguer. C'est comme la garde. Ils font la garde. Ils montent la garde. Tu ne seras jamais quelqu'un. Tu ne seras jamais quelqu'un. Voilà la garde. Toi, tu pries seulement. C'est fermé toujours. Tu pries. C'est fermé. La garde est là. Les sorciers ont bloqué. Un jour, ils vont faire ça. Bam! Tu entres en même temps. En même temps, tu es passé. C'est pour ça. Et soyez toujours dans la prière. Prier, minuit, 3h du matin, prier, ils vont ouvrir, petite, à la seconde, bam, tu es passé, maintenant ils ferment là, et tu vois, toi tu es là parti, hein? C'est comme ça, là voilà, marié, le monsieur en quittant de Paris pour aller à l'aéroport à faire tonneau, arrivé ici à Douala, problème, on a volé son passeport, mais il a retrouvé, problème sur problème. Le blanc a dit, c'est toi j'ai décidé, c'est toi j'ai choisi, je vais t'épouser. Quel que soit ce qui va se passer, c'est toi. Ils sont partis. Et je voyais les photos quand j'ai dit, oui, Dieu merveilleux.
Donc, d'ici quelques temps ou ces 6 mois, c'est là dans le doigt. Et maintenant, la honte est versée sur eux comme ça. Waouh! Mais c'est quoi? La souffrance ne peut pas être éternelle. Sinon, Dieu n'existerait pas. Pourquoi on dit les miséricordieux? Parce que mais c'est ça la miséricorde. Donc, nos sorciers là, ils ne peuvent pas rester. Ou, en même temps, il faut qu'ils te tuent. Il y a quoi? Tue-moi en même temps. Tue-moi en même temps. Tu vas te marier. Vraiment. Mais vraiment, le monde est méchant. C'est quand tu fais le scanner spirituel que tu comprends que les gens souffrent. Comment quelqu'un peut dormir du matin au chaque jour que tu dors, en te réveillant, tu as les griffes sur toi. On dirait que tu as bagarré la nuit. Les griffes comme ça, là. Tu es parti voir, on croit que ce sont des allergies, c'est la maladie. Rien. Les sorciers ont pris. Ou utiliser ton corps là, comment je ne sais pas. Tu te lèves chaque matin à ton réveil, mais c'est fini. C'est fini. Ça là, c'est fini. Tu te lèves le matin, on t'a griffé ici. Tu vas voir les dermatologues, les docteurs, les rhinologues, les rhumatologues, les voyandologues, les marchandologues. Tout ça, là, on voit, on dit, on ne voit rien. Après, ils amènent rien, on ne voit rien. Déjà, la nuit, les gens te prennent et font comme ils veulent, ils mettent des dessins sur toi. Je refuse cela. On va briser ça. La bonne nouvelle, c'est qu'à partir du 8 juin, nous aurons un point de vente des ingrédients. Ici, comme vous voyez là, c'est la sauge. Voilà l'anis. Je vais vous donner beaucoup de choses. Donc, tout ça, là, on va consacrer ça à vos blancs. Voilà, ça, c'est le romarin en poudre. Tout ça, là. Tout ça, là. Le poivre blanc aussi. Voilà, les clous de girofle. Tout ça, là. Là, les feuilles de laurier. Donc, dès le 8 juin, si Dieu le veut, on aura à Paris. Paris, c'est la capitale. Hein, on peut dire la capitale du show business dans le monde. Donc, à Paris, on pourra avoir un point où vous pouvez avoir tout, les encens, tout. Voilà, les bonjoints, les encens au Liban, tout, les bougies rouges, noires, tout. Vous ne manquez plus de rien. Voilà. Je vous donnerai les différents contacts. Là, c'est consacré, les sels, tout. Voilà, comment on appelle encore, la rose de Jéricho. Vous voyez, tout ça là. Voilà, on va envoyer. À Paris, on va envoyer les poules qui chassent les démons, tout ça là. Voilà, tout ça là, on va envoyer. À partir du 8, il y aura un point de vente. Il y aura un point de vente officiellement à Paris. Parce qu'on est fatigué. Ça, c'est la divine nature. Amis miens d'ici, d'ailleurs, pour ceux qui ont des cauchemars, des nuits agitées, je sais pas, des maris de nuit, surtout celles-là, je m'adresse à toi. Toi, il faut m'écouter. Quand tu te réveilles le matin, tu as des griffes sur toi, c'est à cause de toi-même que je donne ces recettes-là. Voici le haricot blanc. Voilà, haricot blanc, là. Ça donne mariage, hein? Toutes les femmes qui sont célibataires, là, voici votre. Voici ce qui va vous donner Marie. Jolie Marie, pas les maris qui va venir te fatiguer. Voilà le haricot blanc. Tout le monde a une idée de ce qu'on appelle le haricot blanc. Je vais vous donner tous ses pouvoirs. Voilà. Vous prenez 7 grains. Hein, haricot blanc là. Tu prends 7. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grains. Voilà. Haricot blanc. Tu mets comme ça là. Voilà 7 grains. Maintenant, tu viens. Tu prends ce qu'on appelle les clous de girofle. Tout le monde connaît. Ouais, je vais faire comment et il faut que je détache ça rapidement. C'est 30 minutes de direct. C'est demain qu'on va faire peut-être 1 heure. Ceux qui ont des témoignages, ils vont parler. Demain, 1 heure de direct. Peut-être 20h, 21h, quelque chose. Ou bien 21h, 22h. On a la pleine lune. Donc, on a tout le temps. Toute la nuit, là, c'est comme notre veillée. Voilà. Dès qu'on fait, on fait avec la pleine lune. Notre eau magnétisée. Ouh! Ah, j'ai suivi le témoignage aujourd'hui. J'ai même partagé ce témoignage-là dans le groupe de diffusion des personnes scannées. Ouais, la femme, mon Dieu, la femme. Ouais, le mari ne croyait pas. Hein. Chaque fois que la femme faisait, la femme que vous avez écouté son témoignage, là. Chaque fois qu'elle prie, son mari dit, mais tu fous quand même là. C'est ça qui l'a sauvée.
Elle a pris l'eau magnétisée, maître, miracle, miracle. Même le docteur dit, mais madame, on n'a jamais vu ça. Dieu là, l'eau magnétisée n'aime pas maladie compliquée. Si tu as mal de tête, c'est normal, d'accord. Mais mal de tête, que ça provient que quelqu'un a provoqué ça. Ça casse ça à l'instant même. Donc, clou de girofle, vous prenez 7 clous de girofle. 7 clous, voilà, 7 clous. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà déjà, deux ingrédients. Maintenant, il faut le troisième, feuille de laurier. Vous prenez 7 feuilles de laurier. Vous voyez le chiffre 7. Ce n'est pas un fait de hasard. Vous prenez 7 feuilles de laurier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Voilà, votre talisman est prêt. Un tissu blanc. Vous prenez donc tout ça, vous mettez dans un tissu blanc, vous mettez ça sous votre oreiller. Sous votre oreiller. L'enfant a des cauchemars, les nuits sont agitées, et on ne te laisse pas dormir. Parce que tout ça, les trois ingrédients que vous voyez là, ont des pouvoirs, n'est-ce pas, de protection. Je n'ai pas dit de prier sur ça, tu n'as plus besoin de prier. Dieu a déjà dans un tissu blanc, voilà, tu mets dans un tissu blanc, c'est sous ton oreille, et tu attends la prochaine pleine lune pour pouvoir renouveler. Là, tu prends et tu jettes, tu renouvelles. Est-ce que c'est tout ça là? Ça ne vaut même pas 200 francs. Tout ça là, ça ne vaut pas 200 francs. Donc, demain, je vous dirai aux femmes célibataires comment on utilise le haricot pour attirer les hommes vers vous. Et là, si je ne parle pas de ça demain, là, de toute façon, on va me chicoter ici. Oh là là, la vie des hommes. Oh Dieu, bon. Coup de jour, vraiment, j'ai même tout ça, vous aurez. Les bois de benne, tout ça, là, ça se mange. Les pièces de 500 francs. Là. Ah, je suis en train de collectionner. Tout ça, là, je vais envoyer à Paris. Voilà, c'est tout ça. Il y en a plein. Il y a au moins 50 pièces de 500 francs. Bon, pour ceux qui sont malades, hein, des maladies compliquées, bizarres, en fait, ça ne finit pas, le haricot blanc peut vous aider. Comment vous faites le haricot blanc? Vous prenez, mais il faut avoir un lit. Il faut avoir un lit, c'est-à-dire qu'on peut faire le contour, on peut contourner. Il y a souvent nos lits avant, là, on colle ça sur le mur. Parce que quand il y a match, on envoie la femme, là, on la bloque en même temps sur le mur. Maintenant, faites un effort de mettre le lit au milieu. C'est même bon pour vous. Vous pouvez tourner. Voilà. Pour ceux qui sont malades, déjà, vous prenez votre propre photo. Votre propre photo. Voilà. Si tu es malade, maladie, c'est compliqué. Prends ta propre photo. Tu prends le gingembre. Voilà. Sec, bien écrasé. Tu mets ta photo. Hein, c'est pas un hôtel, quelque dans un coin bien propre, sur une table bien, voilà, tu prends ça, tu mets, tu verses tout ça sur ça, sur ta propre photo, parce que ta photo est chargée. Le gingembre, son rôle, ça sera, n'est-ce pas, de te nettoyer dans le monde mystique pour briser des petits liens, des bizarres, des petits sorciers là qui ne nous laissent pas respirer pour rien. On ne sait pas qu'est-ce qu'on les a fait. Hein? Vous venez comme ça, vous mélangez la vie des gens et tout, voilà. Donc, comme je parlais du haricot, vous prenez donc, il faut au moins une boîte, hein. Donc vous prenez le haricot, vous tenez sa main, hein, sens, n'est-ce pas, vous faites le tour en suivant, n'est-ce pas, le sens de l'aiguille du monde. Donc vous le faites comme ça, à chaque fois que vous faites, vous lancez le haricot autour du lit, hein, vous faites comme ça, sept tours, voilà. Pariso, le diamant noir. Pariso. Voilà le confinement. Voilà le confinement nous a mis dans des problèmes, ma grande. Donc, demain, je parlerai comment la femme doit utiliser le haricot blanc pour charmer son homme. Charme, là, c'est pas compliqué. Ça veut dire que pour séduire l'homme, donc, il ne va plus regarder dehors. Mais la recette, c'est pour les femmes mariées. Je ne donne pas ça aux célibataires. Si tu es marié, je te donne la recette. Si tu es encore dans le waka, ou chiza, ou comment.
ça marchera pas, donc ça vaut pas la peine de te donner. Ça va pas marcher. Voilà, ça va pas marcher. Donc il faut pas forcer. Il faut pas forcer, ça ne marche pas. Donc demain, je vais donner, parce que les femmes attendent ça, elles aiment bien ça. Oh, je suis content. Oh Dieu, si je pouvais avoir chaque jour des très bonnes nouvelles comme ça, des belles rencontres comme ça, des bonnes surprises comme ça, vraiment, j'allais faire le direct chaque jour, chaque jour, chaque jour. Vraiment, moi-même, elle m'a donné la plus belle surprise de ce mois de juin. Papa, tu es où? Viens, je vais te voir. Je viens, ça brille comme ça sur sa main. J'ai dit, ma fille, oh non. Maintenant, c'est la prière, parce que c'est pas fini, hein. Pas les ennemis là, quand ils vont voir ça, maintenant ils vont dire, donc tu m'as lancé, vous nous avez lancé un défi. Hein, vous nous avez lancé un défi. Maintenant ils vont maintenant faire pour détourner l'homme. On ne le détourne plus. C'est déjà fait. Là, 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 là. Elle a mis l'alliance. Parlez encore. L'alliance. Et c'est joli quand une femme se marie. Oh mon Dieu. Parlez encore. Pou, pou, pou. Parlez encore. Aujourd'hui, c'est pas... Il n'y a plus de femme, non. Il y a plus de femme qui se marie. Maintenant, il t'a marié, là. S'il a même écrit polygamie, ne c'est pas ton problème. C'est ton comportement qui va l'obliger à rester quoi? À rester calme. Donc, ne dis pas... Dès le premier jour du mariage, là, c'est là où ton combat commence. Il faut protéger ton homme. Les rituels, là, les ça, là, vous brûlez à la maison sous forme d'encens. Ne dis pas non, les make-up, pas comme là, ça ne vous sert à rien. Les wakob, les jacob, les dansants, tout ce que vous faites là, ça ne vous sert à rien. Vous vous abîmez la peau. Et le jour où le monsieur va trouver jolie femme naturelle, bien, qui connaisse la divine nature, là, ton cas est fini. Ton dossier est clos. Tu vas monter, descendre, dire que non, on a pris mon nom. Tu as créé les conditions pour ton nom, pas dehors. Ça ne vous arrange pas. Les mécobes, les quacobes, les bacobes, tout ça. Laissez, soyez naturels. Soyez naturels. Les hommes aiment ça. Maintenant, il faut le barricader. Il faut le protéger. Il faut le protéger. Il faut protéger cet homme-là. Voilà. Avant de faire, quand vous avez un match de football, tu utilises l'eau cyclonée. Ce sont des recettes. Nos parents avaient ces choses-là. Chaque fois, il va dire, mais femme là, vraiment, quand je veux même chercher, cliquer dehors là, vraiment, c'est pas, il y a tout quelque chose qui. Pourquoi? Parce que tu ne dors pas. Mais si tu dis, c'est un acquis, quand il rentre, tu es supportable, en train de pianoter, tu fais rien, rien, tu te mets de. Non, il va aller dehors, il va aller dehors. Il va aller, il ira dehors. Moi, je suis garçon, je vous dis la vérité. Les silcopes, tout ça là, ça ne vous sert à rien. Les blancs sont venus vous détourner de l'essentiel. Parce que tout ça, Dieu a créé ça, ses rôles, ses pouvoirs, les yeux, tout ça. Maintenant, vous mettez tout ce que vous mettez, des femmes vaniteux, mais pour ressembler à quoi? Le jour où tu as connu, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Pas rigolo, il faut rire. Ah oui, hein, il faut. C'est un match. Tous les jours, là, tu dois faire en sorte que monsieur, quand tu fais. Même quand il est en retard, il est en retard, il doit être à la maison à 18h. Quand il est 18h05, il est encore dehors, il t'appelle, dit, ah, chérie, je suis dans la bouteille, ne pense pas que je sois allé ailleurs. Les deux, on va dire, non, tu as fait ceci. Non, tu brûles les encens, tu fais des rituels, le haricot, tu prépares ça, tu fais des trucs, il mange, il est calme. Ce n'est pas envoûtement. Parce que toutes ces choses-là, c'est Dieu qui a créé. C'est l'ignorance qui fait que toi, tu ne sais pas. Maintenant, la femme qui sait, là, elle va faire autre chose, comme demain. Voilà, il y a le bain d'attirance, le miel et le sel gemme. Miel et le sel gemme. Tu fais ça avant 6 heures. Ça brille sur toi comme ça. Pop, 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 pop. Quand lui-même te voit là, il te désire. Il dit, ah, la femme, tu as mis quoi sur toi-même? Vous voyez? Ah, si tu laisses maintenant chercher les histoires que les blancs, les trucs artificiels, tu te crées les problèmes. Parce que tu te crées les problèmes. Voilà. Moi, si j'étais une femme, hein, moi, sincèrement, je peux me marier même avec 15 hommes. Maria, c'est la chose la plus facile pour vous, les femmes. C'est tout simplement parce que vous faites autre chose. Hein? Vous faites ce qu'il ne faut pas. Et la divine nature est très sévère. Voilà. Quand tu n'es pas, tu fais ce qu'il faut, la nature te corrige correctement. Hein? Vous restez dans le célibat. Bon, il y en a aussi que c'est provoqué. Hein? Voilà, quand tu avais un homme, un jour, deux jours, des séparations bizarres, tu ne comprends pas. L'homme reste comme ça, là, il te dit, il ne veut plus. Ce n'est pas de sa faute. Il y a aussi les histoires de mari de nuit qui provoquent tout ça. Parce qu'ils sont très jaloux. Vous voyez, ils sont très jaloux. Donc, avec ça, quand tu es dans cette
quand tu es dans cette position, que tu as un mari de nuit, forcément, il faut le tuer. On ne négocie pas avec mari de nuit, les femmes de nuit. Voilà, tout ça, c'est des choses que vous devez, une fois, deux fois, trois fois, vous devez comprendre qu'il y a un problème et qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. C'est vraiment très important. Demain, c'est, vous savez, c'est un jour. Aujourd'hui, c'est pour vous rappeler vos rituels. Sinon, le vrai direct, c'est demain. Pour vous parler de la lune et tout. Je sais que beaucoup attendent. Maintenant, déjà, pour le haricot, je vous ai donné comment on provoque des guérisons miraculeuses. Voilà, si vous êtes malade, même si c'est une maladie simple, c'est-à-dire que normalement vous souffrez, ce n'est pas qu'il y a la main de quelqu'un derrière, une main obscure. Voilà, sur votre lit, faites un effort donc de faire ce que je vous ai dit. Vous faites donc le haricot blanc, vous faites donc le 7 tours en versant des grains autour du lit. Vous laissez ces grains-là. Ça fait son travail, ça absorbe en quelque sorte, n'est-ce pas, les négativités. Parce que la maladie, c'est quelque chose, ce sont des énergies négatives quand on est malade. Ouais, quand on est bien portant, c'est ça tout ce cumul qui provoque la maladie. Voilà. Quand quelque chose ne va pas, c'est-à-dire le corps astral est touché quelque part, maintenant ça renvoie sur le corps physique. Donc vous avez mal. Voilà, vous avez mal. Donc ça corrige. Mais tu ne vois pas. Mais ce sont des choses qui se passent dans le monde invisible. Tu ne vois pas. Donc vous faites ça. Déjà, deuxième recette, vous avez les 7 clous de girofle, 7 de haricots, 7 feuilles d'espace de laurier que vous mettez dans un tissu blanc sous votre oreiller. L'enfant toute la nuit pleure, il gesticule, il voit des choses à la maison, il fait des cauchemars, gna gna, mettez ça là, c'est tout. Et vous brûlez des encens, c'est tout. Si ça va un peu, vous pouvez chercher pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas, est-ce que c'est le début d'un envoûtement et tout et tout et tout. Voilà, c'est simple. Demain, je vous rappelle vraiment que votre talisman va prendre fin. Vous avez fait la première lune, je crois, 14 jours. Demain, vous êtes obligé de prendre ça, sans ouvrir pour voir le contenu, de jeter ça dans un cours d'eau. Voilà, faites ça demain. Donc, vous faites demain. Dans le soir, vous allez renouveler, vous faites le deuxième. Voilà. Les choses peuvent venir, mais ça absorbe. Si on vous disait ce qui se passe quand vous portez ce talisman-là sur vous, mon Dieu, oh. Donc, préparons-nous. Donc, demain, je vais continuer pour donner comment le haricot, comment on peut faire pour séduire l'homme, pour le mettre dans de très bonnes conditions et tout et tout. Voilà, il regarde plus dehors. Même quand il dit bonjour à une fille dans le taxi, il dit, chérie, vraiment, je ne peux pas te mentir. Hein. J'ai salué une fille dans le taxi parce qu'elle était bien habillée. Tu prends ça comme ça. Voilà. Mais pour que tu arrives à là, il faut des ingrédients. Il faut brûler les encens. Il faut créer les conditions. La cannelle, tout ça, il faut brûler. Voilà, il faut brûler. Voilà. Le romarin aussi est là, en poudre. J'ai eu également les sauges en poudre. C'est autant de trucs. Donc, la bonne nouvelle, c'est que à partir du 8 juin, toute l'Europe sera vraiment ravitaillée. Donc, on va envoyer du costaud, les clous de girofle, tout. Le charbon même, on va envoyer, le vrai charbon. Voilà, pas ces histoires, les charbons que les Chinois fabriquent là, on ne sait pas comment on va faire avec. Voilà. Bon, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Il ne faut pas trop parler. Trop parler, ça devient maladie. Si quelqu'un a une question, voilà. Voilà, parce qu'après ça là, je respire pas, je vais aller travailler. J'ai des scanners spirituels à faire, j'ai commencé, il faut terminer. Voilà, donc c'est demain qu'on va ouvrir, on va parler, recevoir des appels, tout et tout. Ouais. Bon, tout ce que je peux vous dire, c'est la patience. Vous demandez, soyez patient. Affaire de Dieu là, c'est pas court, c'est pas court, c'est pas parce que tu as prié 10 jours que tu crois que le ciel sera ouvert. Non, non, non. Continue dans ta prière. Continue dans ta prière. Voilà. Sylvie Noël. Le cyclone a fait quoi, Sylvie Noël? Ouais, c'est un protecteur. C'est un catalyseur de mauvaises énergies. C'est pourquoi en Afrique de l'Ouest, vous allez trouver que dans les taxis, il y a toujours le cyclone, les transports interurbains, dans les taxis, les wolo-wolo, les bus. Je ne sais pas. Vous voyez toujours, il y a. Il y a le cyclone, donc sortez toujours avec le cyclone. C'est très bon, vous mettez ça dans votre poche, dans votre sac à main, c'est une très bonne chose. Voilà.
Le bain, le bain d'attirance, il est trop facile, mais vous le faites demain, lorsque la lune est croissante. Mais je crois que demain, c'est la pleine lune. Après, on va plutôt avoir la lune décroissante, c'est-à-dire la lune descend, pour après monter, pour que ça donne ce qu'on appelle la nouvelle lune, pour le nouveau cycle. Mais demain, tu peux faire ce bain. Déjà, le confinement est pratiquement un acquis. Voilà, c'est le miel simple. Trois cuillères de miel dans un litre d'eau et quelques grains de sel. Après avoir pris ton bain, tu te laves avec, sans t'essuyer. Va au rendez-vous où on dit qu'on ne te recrute pas là. Rendez-vous, tu sors, tu vas appeler demain pour dire, mec, c'est très puissant, très puissant. Même tes zestes, ceux qui t'ont laissé, ils vont se souvenir de toi. Bon, ma soeur, il faut te faire scanner. Je fais ça parce que je suis très content. Je jette du bon vin rouge. Vous savez, on dit, le vin rouge rend la vie joyeuse. Donc, moi, je suis joyeux aujourd'hui. Je suis très joyeux. Vraiment, très bonne nouvelle, très bon vin. Ouh, ça vaut tout. Oui, je suis content. Et ajouter à cela la bonne nouvelle de ma soeur, elle est même à Yaoundé. Comment l'eau magnétisée, son mari était déjà partant. L'eau magnétisée avait sa prière, son mari est sorti. Maintenant, aujourd'hui, il cherche. Il dit, ce que tu as fait là, moi, je veux voir quelqu'un dedans. Ah, bon, c'est ça. Si vous donnez l'amour, les gens viendront vers vous. Si, vous voyez, c'est ça. C'est d'abord le but, hein, du scanner, la paix intérieure. Quand tu as cette paix, c'est important. Vraiment. J'avais un peu de doute. Depuis que je fais le direct avec vous, il y a une soeur. Elle est en France. Son cas est trop difficile. Ça, depuis que je suis en contact avec elle, c'est que monsieur, ça ne va pas. Monsieur, ça ne va pas. Je fais des rêves où on me poursuit. J'ai tout expliqué, tous ses rêves. J'ai dit, continue tes prières. Mais l'autre jour, elle m'a dit, papa, ça commence à aller. Ça veut dire qu'il y a déjà des ouvertures. Vraiment, j'étais très content. Voilà. Il y a le sel-gemme naturel. Il n'y a pas ce qui n'est pas naturel. Il n'y a pas sel-gemme qui n'est pas naturel. Un vieil samben. Il n'y a pas sel-gemme qui n'est pas naturel. Voilà. Le sel-gemme, le voilà. Il n'y a pas qui n'est pas naturel. Quand on te dit sel-gemme, ça veut dire que c'est naturel. Maintenant, il y a le sel-gemme consacré. C'est-à-dire que, comme on dit, on a béni. Hein? On a béni. Voilà. On va magnétiser l'eau. C'est quand on va magnétiser l'eau, quand il y aura la nouvelle lune. Voilà. Le processus commence quand il y a la nouvelle lune. On en a pour 14 jours jusqu'à la pleine lune. Maintenant, comment utiliser? On se lave le visage avec, on boit, on se purge avec. Ça a délivré des gens comme ça. Comment tu peux te purger avec une simple eau directement, c'est les toilettes. Tu vas faire ça, te donne la diarrhée. C'est parce que dans ton ventre, il y avait des pourritures. Les manger dans les rêves, les poisons de nuit. Donc quand ça arrive là, ça te donne directement la diarrhée. Une autre a fait 3 jours de diarrhée à Yaoundé. Quand j'ai envoyé l'eau, j'ai envoyé l'eau, j'ai dit fais très attention, il faut te purger avec. Elle croit que c'est amusement. Papa, ça a commencé. Pop, 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 pop. Des trucs bizarres qui sortent de son ventre. Après, il y a eu même des vomissements. C'est là, dit oui. Affaire là, vraiment, ça prend goût sérieux. Donc, je ne donne plus le rituel. C'est fini ça. Ceux qui sont scannés auront le rituel. Comment faire? Ce que ma mère fait, l'ancienne. L'ancienne quoi? Oui, l'ancienne eau. Oui, on peut utiliser l'ancienne eau. C'est toujours l'eau. L'eau magnétisée, vous utilisez. Mais. Vaut mieux toujours avoir nouveau. Hein? Qui n'aime pas nouveau, tout beau. Hein? Tout nouveau, tout beau. Donc, demain, ami mien, d'ici d'ailleurs, cherchez Dieu. Parlez à la lune. La lune est pleine. Vous allez la voir jolie comme ça. Parlez à cette lune-là. Ouais. Dites à la lune, mon cas, je veux un grand concret. Lune-là. Mais toi qui bouleverses les océans, les mers. Ah, très bonne nouvelle aussi, à partir du 15 au plus grand tard à la fin de ce mois, hein, nous aurons désormais notre groupe WhatsApp pour des célibataires. Pour être membre de ce groupe, il faut se faire scanner. J'explique pourquoi. Parce qu'il y a des combinaisons en amour. C'est ça le véritable problème. Vous savez, quand quelqu'un te met en relation, la Bible, je crois, c'était l'histoire d'Abraham. L'Abraham, au soir de sa vie, avait parlé à son valet, à son boy qu'il aimait beaucoup, que le jour où je ne serai plus là,
moi, mon fils Isaac, là, Abraham, Isaac, moi, mon fils, là, il faut aller dans tel village chercher une femme pour lui. Tu as compris? Il a dit oui. Donc, c'est depuis ce jour que les agences matrimoniales sont là, les conseillers et tout. C'est-à-dire, vous-même, vous avez eu à jouer ce rôle-là. C'est-à-dire d'être agent matrimonial. Vous faites un placement. C'est-à-dire, je peux être là. J'ai un ami qui est célibataire, toi qui es peut-être une amie, j'ai dit non, je vais vous brancher. Ça, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Et c'est des mariages, des relations, des contacts qui ont abouti au mariage jusqu'à nos jours. Ceux-là sont toujours dedans. Vous voyez donc, j'ai dit bon, je vais vous mettre, je connais mon gars, il n'est pas, il ne dérange pas, mon ami est bien et tout. Toi aussi, toi, tu es mon ami, essayez, on va voir un peu. Mais c'est les choses qu'on faisait avant, sans toutefois tenir compte de certains paramètres. Parce qu'il y a certains paramètres. Il y a que nous avons, chacun de nous a une énergie planétaire. Si ce n'est pas l'eau, je commence, si ce n'est pas le feu, c'est l'air. Si ce n'est pas l'air, c'est l'eau. Si ce n'est pas l'eau, c'est la terre. Donc, en faisant, voilà, donc, en regardant de près, on peut savoir si toi et tel, si vous vous mettez ensemble, ça va aller. C'est pour ça qu'il faut se faire scanner. Dans ce groupe-là, il y aura les Canadiens dedans, les Américains dedans, les Européens dedans, les Africains dedans, mais des gens scannés. Mais c'est des mariages entre Africains. Donc, ça peut être que tu épouses un Ivoirien, comme un Ivoirien peut épouser un Togolais. Voilà. Comment dirais-je? L'amour n'a pas de frontières. Voilà, l'amour n'a pas de frontières. Donc, voilà pourquoi nous voulons des personnes qui soient scannées. Donc, d'ici 2 semaines ou plus tard, nous allons vous donner le numéro et vous dire les conditions à remplir pour être dedans. Maintenant, une fois que vous êtes dedans, on va dire, bon, Manu de la vie, c'est un célibataire. Je vais présenter Manu de la vie. Voici ce qu'il est. Tout et tout. Il vit ici. Il fait ceci. Il fait cela. Il fait cela. Ce n'est pas une histoire de situation géographique. Parce qu'il y a même des Benguis, des sœurs en Europe. Qui ont flashé pour des gars en Afrique et qui sont venus chercher des gars en Afrique et monter avec et le mariage a donné, comme vice-versa. Donc, le mariage, quand c'est, il y a un cadre, ouais, il y a un cadre, parce que ce qui nous unit, c'est la spiritualité, en fait. Donc, on ne peut pas te placer avec quelqu'un qui va te fatiguer, parce qu'on regarde, on étudie, on dit non, tel peut aller avec toi, parce que le scanner, vos scanners font que le résultat de vos scanners, vous pouvez être ensemble. Mais on ne force personne. Donc, ça, c'est un groupe vraiment très, très chic. Voilà, on va faire des... Maintenant, une fois que vous êtes mis ensemble, vous pouvez sortir du groupe. Hein. Ça nous intéresse peu. Maintenant, il me revient de demander les nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon. De deux côtés, ça va. Il y a quel souci? Il y a quel problème? Il y a ceci, il y a cela. Voilà. C'est notre manière, n'est-ce pas, de vous rendre heureux. Voilà. S'il y a un seul mariage, j'ai gagné parce que je cherche avec le témoin du troisième mariage, là, c'est fini. Moi, je m'en vais au paradis. Je peux même me donner la mort parce que c'est que je m'en vais au paradis. Si tu as été témoin de mariage 3 fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois, non, c'est fini ça. Donc, les choses sont en train de... C'est le confinement, là, coronavirus là, qui est venu basculer. Vous voyez, donc on sort un peu de l'eau. On espère que d'ici la fin... La fin du mois, les choses vont démarrer, redémarrer, aller vite, un peu plus vite. Voilà. Donc, nous sommes toujours dans le confinement. La psychose est là. C'est vrai que ça a un peu baissé, mais on est toujours sous le choc. Donc, on marche, on ne peut pas faire bisous, on ne peut pas saluer. Ouais, ça fait peur, en fait. Quand tout ça va finir, voilà. Mais d'ici là, parce qu'on a déjà, il y a des soeurs, il y a des hommes, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en Espagne, en France, qui ont besoin, ils veulent être ensemble avec leurs frères et soeurs africains. Donc, il faut qu'on travaille dans ce sens-là. Je pense que tout doucement, également, les États-Unis, c'est déjà bon. D'ici quelques temps, nous aurons un point de vente pour des petits ingrédients et tout. Et tout. Voilà, Guadeloupe, il y a déjà, je crois, les choses vont aller juste après le confinement. Donc, amis miens d'ici d'ailleurs, nous avons fait plus de 30 minutes. Voilà, demain, nous allons faire notre direct. Et si vous avez des questions, des témoignages à faire, nous allons vous donner un numéro WhatsApp par lequel vous pouvez, n'est-ce pas, appeler.
pour des questions, etc. Et tout, et tout, et tout. Donc demain, c'est vendredi, on va faire le direct parce que c'est la pleine lune, c'est notre jour, le jour de notre jour, où nous allons remercier Dieu pour lui dire merci pour la pleine lune. Demandez tout ce que vous pouvez demander. Voilà, ne restez pas dans vos chambres. Sortez, vous tendez les mains. C'est-à-dire, la lune est là, elle te voit, tu la vois. Tu lui parles, tu vas voir, ce n'est pas une histoire de demain. Maladie, ça ne soigne pas ta situation. Ça. Confie ça à la lune. Demain, tu vas voir ton résultat. Il faut vraiment. Mon souci est que les gens s'imprègnent de tout ce qui est pouvoir lunaire et tout. Après, nous allons parler d'autres choses. Il y a beaucoup, le sel, l'eau, la terre, il y a plein. Mais chaque fois, je suis obligé de revenir lune. Parce que quand je vais avancer, quelqu'un me dit vraiment, voilà, je pense que demain, là, ça sera le tour d'un. Mais je pourrais faire des rappels pour dire, faites attention, la nouvelle lune, c'est tel jour. J'ai fait une publication, peut-être qu'il y a un direct, je vous rappelle. N'oubliez pas vos rituels du premier jour du mois. N'oubliez pas ceci. Mais quand vous le faites, ce n'est pas pour Manu de la vie. Hein. Les choses de Dieu sont dans les détails, dans les choses les plus petites. Affaire de Dieu, là, ce n'est pas très compliqué. C'est des petites choses. Très, très petites choses. Vous regardez comme un truc comme ça, regardez. Ça n'a l'air de rien. Mais c'est un ensemble très puissant. Ah, demain à 19h, Parigo. Ah, c'est un ensemble très puissant. On va vous parler de haricot blanc. La fille, là, elle mettait. Chaque jour, les gens se moquaient d'elle. Même ses camarades se moquaient d'elle. Elle dit, j'ai quelqu'un. Je n'ai pas payé. Je préfère quoi? Ça ne m'enlève rien. Ça ne me donne pas la maladie. Il m'a dit, prends le haricot là. Fais comme ça chaque jour. Elle faisait chaque jour. Voilà là où son résultat, c'est blanc. Blanc est venu. Blanc quitte l'Europe pour venir te marier une fois. Ça veut dire sans même avoir utilisé, goûté. Il dit, je n'ai pas besoin de goûter. Parce qu'il y en a qui viennent d'abord, il va goûter, rentrer, après il va venir, il doit faire au moins 3 voyages. Celle-là, c'est en même temps, KO, un coup, KO, pop. Non, j'ai fui le vent. Hey, non, hey, Dieu, Dieu bon, Dieu bon. La honte est versée sur eux comme ça. Waouh. On dit, on ne va jamais. C'est ceux qui sont un peu partout. Donc tu t'es marié. Hey, donc c'est vrai que tu vas te marier. Oui, comment tu as fait? J'ai mis mes genoux au sol. J'ai prié Dieu. C'est tout. Mais pendant qu'elle parlait, je suis là à côté. Je suis content. Oh, très content. C'est ça. Je veux les témoignages. Donnez-moi les témoignages. Dites-moi que Emmanuel Macron vous a écrit que demain vous allez passer le voir. C'est ça que j'ai besoin. Quand tu me donnes ce diable, je suis très content. Parce que quand je me retrouve dans vos bonheurs, pas que je le partage, non. Il y a ma soeur qui a une voiture de 18 millions dans le confinement, là. Depuis, je te cherche. Qu'est-ce que tu es devenu? Affaire de Dieu, là, ça rend fou, papa. Elle est dans la galère. Les hommes l'abusent matin, midi, soir. Mariée 2 fois. Légalement mariée. Au Cameroun, mariée. L'homme a pris maison. Vendre maison, prendre une nouvelle femme. Allez. La sorcellerie, on l'a. C'est-à-dire, elle était isolée. Le jour, elle vient vers moi. J'ai dit, madame, je n'ai rien, je ne suis rien. Mais je connais que Dieu t'a donné tous les pouvoirs. Mon rôle est de te dire, voici tes pouvoirs. Vas-y, si tu es propriétaire de tous les pouvoirs, de tes pouvoirs, le Dieu là va descendre sur la terre et tu le verras vis-à-vis. Elle me dit, papa, j'ai vu Dieu. 18 millions de francs CFA. J'ai balancé les photos de la voiture avec écailles, plastique, sachet encore sur la voiture. Gnang, gnang. Le blanc a mis le carburant. Maintenant, quelques jours après, 2 semaines au combien, là, le blanc l'appelle pour dire que je veux qu'on finisse parce que mon ex est en train de me déranger et il veut qu'on reprenne. Je veux que tu vendes la voiture là. Et tu me. Elle a dit, tu as dit quoi? Lui, il a fait venir faire réparation. Réparation de tort, de préjudice. 18 millions de francs. Elle va travailler 5 ans, 60 ans en euros, elle ne va pas gagner ça. Blanc lui a donné voiture là. Elle roule dedans. Elle dit, papa, je vais profiter au moins pendant 6 mois. Je roule dedans comme ça là. Même si je n'ai rien à manger, je suis dedans. Le fléau me frappe pour dire merci à Dieu. Donc, si elle peut vendre même à 10 millions, elle a déjà 10 millions. Parce qu'elle s'est agenouillée. Elle s'est mise à genoux pour pleurer. Donc, tous les pouvoirs sont en vous. Ne cherchez pas Dieu en dehors de vous. Parce que lui-même a dit, je vous ai donné tous les pouvoirs. Donc, si une situation est là, que ça ne fait que te fatiguer, c'est parce que tu lui donnes de l'importance. Ignore le problème aussi va t'ignorer. Maintenant, c'est de passer de stade, d'avoir le problème, de vivre jusqu'à l'ignorer là. Comment faire?
Ce n'est que la prière. Pas n'importe quelle prière. La prière, ta prière. Voilà. Donc, quand tu as ça, tu as la paix du cœur. On te dit que ton dossier a fait ceci, tu dis gloire à Dieu. Parce que quand Dieu ferme une porte, il peut t'enlever dans ce bureau pour te mettre en haut. Maintenant, s'il t'enlève dans ce bureau, tu pleures. Oui, je vais faire comment haut? Mais Dieu rit. Il dit, regardez-moi, quelqu'un, il pleure. Petit travail au bureau climatisé. Moi, je vais te mettre en haut pour que tu sois directrice, propriétaire, fondatrice. Tu pleures. Tu es resté dans quoi? Pour salaire de 80 000 ou 120 000, on va te donner là. Dieu dit, j'arrête. Parce que tu as eu des pouvoirs, maintenant il faut qu'on te mette en haut. Maintenant on veut te mettre en haut, tu pleures. Parce que les gens aiment toujours rester dans leur situation. Et les gens n'aiment pas le risque. Les gens n'aiment pas affronter la vie. Quand tu dis aux gens, priez la nuit, tu dis, fais telle chose, mille fois. Ah, c'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. Ah bon, mille fois, si une fois est une grâce. Donc, si Dieu dit, je te donne mille grâces, tu vas dire, c'est beaucoup. Si une fois tu pries là, ça fait une grâce. Mille grâces, là, tu vas refuser. Ou bien une grâce, c'est 1 million. Une fois tu pries là, 1 million. Donc une fois tu as fini, on te donne 1 000 000, c'est-à-dire 1 milliard. C'est mauvais. Donc ne plénichez pas. Il y a des situations, les gens pleurent. C'est difficile, c'est ceci. Mais la peur là, ça réduit tes pouvoirs, ça te diminue. Soyez forts. Soyez des lions. Parce que le lion en vous, le Dieu est en vous. Il est en vous. Invoque-le et tu vois, il te répondra. Il va dire, moi voici, parce que tu m'as invoqué. Sur ce, je vais vous laisser à mes miens d'ici. D'ailleurs, demain, je vous le promets, je commence le direct par ça. Voilà, comment faire le haricot et tout. Je vais donner, parce qu'il y a des accros de souffrance, les gens ne se marient pas et tout et tout. Mais il faut aussi que le roi soit propre. Hein. C'est pas tout, tu vas faire le rituel et c'est comme ça. Maintenant, rituel pour séduire l'homme, là, c'est pour les femmes mariées. Je crois que là, on sera clair. Si tu n'es pas marié, je ne te donne pas. Si tu es dans les tisans, là, ça ne te concerne pas. Femme mariée. Que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse. Demain, on va se parler peut-être à 20h, mais je vais communiquer. Je vais aussi donner une recette de protection à l'aide d'une bouteille. Voilà, des camphres. Vous mettez 3 cuillères de camphre en poudre dans une bouteille, vous déposez dans la maison. Celui qui a les cornes sur la terre n'a qu'à venir. Dit qu'il va te fatiguer. Voilà. Cherchez Dieu dans la divine nature. Vous ne serez pas déçus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Jamais. Que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Bonne nouvelle, merci Seigneur. Mauvaise nouvelle, merci Seigneur. Et avance. Ouais. Tes ennemis, visibles comme invisibles, tu vas les voir. Oui, il y a quelqu'un aussi qui me demandait le cyclone. Voilà aussi des astuces pour voir, pour que tes ennemis invisibles et visibles, qui se dénoncent. Donc, chaque matin, en sortant de chez toi, tu prends un cyclone. Je ne sais pas, j'ai laissé le cyclone. Tu prends un cyclone, tu coupes en deux. Tu prends la première cranche, tu presses, tu te frottes les paumes de main. Deuxième cranche, tu te frottes les plantes des pieds avant de sortir. Voilà, tu le fais successivement. Au bout de 9 jours, tu vas voir comment tes ennemis vont se dévoiler. Pardon, Manu de la vie, excuse-moi, je t'avais fait du tort l'autre jour. Vraiment, excuse-moi. Tu vois, en famille, dans ton entourage, tout ça là. Et c'est aussi très bon. Et surtout que c'est un anti, comme c'est un gel. C'est pas comme le gel là. On dit gel contre le coronavirus. Ça. Également parce qu'il y a des gens qu'il ne faut pas saluer très tôt le matin avant de démarrer vos activités. Quelqu'un soit un voisin ou un ami qui sort. Ah, mon voisin, comment? Ou bien mon gars, tu as attendu la main. Oh, ma copine, c'est comment? Elle sort d'une boîte de nuit, on ne sait pas là où elle a passé la nuit. Elle vient te voilà qui sort, net, vous vous rencontrez. Mais ce n'était pas prévu. Le corona même est venu, c'est une très bonne chose. Hein? Voilà ses avantages. Parce que les gens ne se saluent même plus. C'est bon. C'est très bon. Il y a trop de poisse, beaucoup de choses sont passées dans les salutations humaines. Les gens prennent leurs mains, ils font de n'importe quoi. Toi, tu sors, ta main est là, tu vas faire signer des bons contrats. Quelqu'un sort là-bas, mon gars, on dit quoi, il te salue. Il t'a contaminé. La poisse a été donnée, la contagion est là. Oh, avec le cyclone déjà là, ta pomme de main est là, le cyclone est là. Ça n'ancre pas, ça n'a pas d'effet, ça neutralise comme ça. C'est comme si ça neutralisait, c'est comme un gel hydraulique qui
qui neutralise, n'est-ce pas, le coronavirus. Donc, prenez les dispositions. Voilà. Prenez les dispositions. Il y a aussi la poudre jaune que nous allons envoyer consacrée. Vous mettez ça, comment vous utilisez pour que ça aspire. Pour que ça aspire les négativités sur vous. Tout est dans la divine nature. C'est l'ignorance qui fait qu'on souffre. On souffre matin, midi, soir. On souffre matin, midi, soir. Hein? C'est demain que nous allons faire notre rituel. Oui, Marthe Pasoual. Oh, ma maman, elle est très contente. Non, 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 non. C'est tout. Une maman veut être contente. Elle veut tout ce qu'elle veut, c'est la paix. Que ses enfants soient en paix. Ne soient pas dans ces histoires dehors, là. Voilà, la prière lui a donné tout ça. Vraiment. La prière lui a tout donné. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc, c'est bon pour aujourd'hui. Cherchez le haricot blanc. Voilà, vous êtes malade. Vous faites comme on vient de se parler. Il n'y a rien. Demain, on va continuer pour dire, on ne donne pas tout. Voilà, si quelqu'un a des questions, je suis très content. Il peut même faire 2 heures de direct. Je peux rester encore, non, une 30 minutes. Je suis content. Normalement, c'est 30 minutes de direct. Mais je suis très content. Parce que Julienne Bilunga, continue, ma soeur. Continue. Bientôt, tu me donneras ton témoignage. Laurence! Maman, il y a les choses ici. Hein. Quelqu'un qui part au tribunal pour un procès, normalement, le procès, là, on va te donner 10 ans. Tu vas, maintenant, on te donne 3 mois. Même pas de prison. On te dit 3 mois, bon, tu vas faire 3 mois de prison. On te dit, bon, on limite tes droits. Tu ne dois plus sortir trop. C'est comme 3 mois de confinement. Maintenant, tu veux partir, le procureur demande qu'on t'appelle. Ton avocat aussi est là. Le procureur dit, mais vous là, ce matin, comment vous avez fait? Vous êtes venu comment? Parce que c'est incroyable. Dans cette justice, on a, dans ce palais, on n'a jamais fait ça. Moi, je donne 10 ans et c'est 3 mois, même pas en prison. Tu dois faire les 3 mois là, chez toi. Maintenant, tu sors comme tu veux, tu fais. Qu'est-ce que vous avez mangé ce jour? L'avocat dit lui-même, il ne sait pas qu'est-ce qu'il a mangé. Mais, est-ce que c'est... Mais vous croyez qu'on va au tribunal comme ça, quoi? Oh, mon Dieu! Aïe, aïe, aïe! Aïe, aïe, aïe! Mais c'est tout! Tout est dans la divine nature. On ne sait pas. Quand tu ne sais pas, tu ne sais pas. Tu ne sais pas, tu ne sais pas. C'est tout. Mais elle est rentrée tranquille. Le monsieur ne croit pas. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je veux... Mais il a ressenti, vous savez, c'est déjà aussi très compliqué. Il a senti qu'il y avait une force. Ce que tu dis là, on va fermer tes yeux. Tu te veux 10 ans, 10 ans, enfant de Dieu, va te... à cause de quoi tu as donné 10 ans? À cause de quoi? Donc pour finir, c'est 3 mois. Même pas en prison, on dit tu restes chez toi pendant 3 mois. Là, tu sors quand tes jours. Hein? Tu as compris? Et c'est tout. C'est tout. Il y a quoi dedans? Wow. C'est l'ignorance. C'est l'ignorance. L'ignorance fait qu'on souffre. On dit problème de travail. Il y a quoi? Il y a quoi? Il n'y a rien dedans. Voilà, vraiment je suis content. Et j'ai bu du bon vin. Et vraiment je suis très content. Vous savez, quand les gens ont juré que toi là tu ne seras rien, et après tu deviens quelque chose, la honte, la honte. Maintenant c'est ceux qui disent, tu as vu qu'elle m'a rapou. Hein? C'est ceux qui ne sont pas mariés, c'est Zini et tout le monde. Tu as vu qu'elle m'a dit non, ce n'est que mon Dieu. J'ai dit, tant que tu n'es pas monté, ne leur donne pas l'autre. Je ne veux pas que tu donnes mon contact à quelqu'un. Hein? Bah, ils vont faire ça pour venir m'attaquer, hein, pour venir te détourner l'homme. Ne dis à personne, dis que c'est Dieu qui t'a donné ton nom. Vraiment. Il dit, papa, quand tu me dis ça, je suis content. Je suis content. Voilà, même les problèmes de fibrons, les kystes, tout ça à partir du 7, on va envoyer en France. On va vous donner les contacts. Voilà. Tout ça, les écorces, on va bien écraser. Tout ça en poudre, comme vous voyez là. Ça, c'est le romarin. Avec ça, ça attire le commerce. Ça attire la clientèle. Ça là, très bon, très bon. Et ça donne le bonheur, c'est à la paix. Tu mets ça à la maison, la paix. Il n'y a pas de bruit à la maison. Même quand monsieur veut parler, le ton est bas. Chérie, pardon, il ne fallait pas faire ça. Hein. Alors qu'avant, mais tu dis quoi? Tu étais où? Écris. Non, avec ça, on ne crie plus à la maison. La maison est comme une église, calme. Hein, comme mosquée, calme. C'est ça là. Tout ça, on va envoyer. Écrasé. Voilà. De poivre blanc. Voilà, donc voilà, ça c'est le bois d'ébène. Tout ça, on va envoyer. Voilà, on va créer l'Afrique là-bas à Paris. Si tu as en Angleterre, en Espagne, tu fais, on t'envoie comme là-bas aussi chez vous. Les choses sont très rapides.
C'est pas comme ici chez nous en Afrique, c'est pour créer conseil. Voilà. On est tranquille. Voilà, qui m'appelle à l'heure là? Qui m'appelle? Je suis en direct. Bienvenue de direct. Donc les gens comment appeler? Bon, je vais vous laisser. Amis bien d'ici. D'ailleurs, on a beaucoup couru. Demain, on va ouvrir le téléphone pour vos appels, témoignages ou autres. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Demain sera bon. Demain sera bon. Très bon. Voilà. Gardez la foi. Gardez la foi. Si Sarah a couché à 90 ans, c'est pas toi à 30 ans, 40 ans, tu vas te fatiguer. Tu as encore du chemin. Ta part arrive. Ta part arrive. Voilà. C'est impossible aux hommes, impossible à Dieu. Mais tout ce qu'il nous demande, c'est que nous devons faire notre part de possibilité pour que Dieu fasse l'impossibilité dans notre possibilité. Ta possibilité, c'est de croire. Ta possibilité, c'est de prier. Ta possibilité, c'est de chercher le laboratoire caché de sa divine nature. Ta possibilité, c'est de faire tes rituels, tes bains de purification, d'attirance. C'est de comprendre que la lune, là, ça a des pouvoirs magiques. C'est de savoir que la terre où tu marches, où tu es aux États-Unis, cette terre-là, pas la terre. Je voudrais parler à ma soeur Rose, qui travaille des moments difficiles. Parce qu'on a fait des papiers sortis des maisons, on ne sait pas là où la jeune fille. Prends la terre de France. Vomis cet enfant-là. Où on a pris l'enfant, on l'a kidnappé, où est parti. Parce que là où elle est, elle touche du sol, la terre. Il faut parler à la terre. Voilà, après le direct, je vais te faire un audio. Que Dieu vous bénisse. À demain.